1er juin 2009, le vol Air France Rio-Paris numéro 447 sombrait corébien dans l'Atlantique. Certains ont évoqué le terrorisme. C'eût été presque rassurant. En réalité, des mesures de vitesse erronées ont entraîné des réactions humaines inadéquates. Affolés par la tempête qui sévissait à l'extérieur et le bruit des signaux d'alarme à l'intérieur du cockpit, les pilotes ont cabré l'avion au lieu de ne rien faire. S'ils n'avaient rien fait, ces deux jeunes copilotes, pendant que le commandant dormait, tout le monde serait encore là. Dans un appareil moderne, la cognition directe et la capacité de décision du commandant sont marginales. Le rapport à l'environnement et la conduite des opérations sont hautement médiatisés par la technique. L'humain, donc, doit se battre pour avoir le dernier mot, et il ne l'a pas toujours. Les accidents à répétition du Boeing 737 MAX n'ont fait que confirmer cette dérive en pire et en plus grave. Vous avez beau être un pilote chevronné et réagir au mieux, une faille de logiciel peut vous envoyer au tapis. Et vous contemplerez, tel le pilote d'Ethiopian Air avec son manche à balai inopérant entre les mains, le sol foncer à votre rencontre sans rien pouvoir y faire. Comme le chantait Pink Floyd dans The Dark Side of the Moon, il y a quelqu'un dans ma tête, mais c'est pas moi. Notre traversée de l'an 2020 ressemble fort à un vol chaotique. À cause du risque et de l'inconnu, au départ, nous avons accepté de suspendre nos libertés et d'être traités comme des enfants par l'équipage. Nous écoutons sagement les ordres de cet équipage qui, hors de cette cabine, donc au sol, n'aurait aucune autorité sur nous. Nous ne voyons pas ceux qui nous conduisent et nous n'avons pas à discuter leurs décisions. Les informations sur les turbulences que nous traversons nous parviennent via des interfaces techniques. Celui qui voudrait mettre le doigt dehors pour contrôler, par exemple, la vitesse ou la température qu'il fait serait ligoté comme un fou. De même, celui qui voudrait faire le tour des urgences aujourd'hui en Suisse ou ailleurs pour voir qui y est vraiment hébergé et pourquoi. Or, ce genre de sceptiques se multiplie. Car la confiance a pris un coup dans l'aile. Nous tolérons les contraintes d'un vol parce qu'il a un but précis, une durée limitée et que nous nous fions aveuglément à l'équipage. Comment nous sentirions-nous si le coucou commençait à changer de cap toutes les 10 minutes, si les prévisions météo étaient aussi péremptoires qu'arbitraires, si l'heure d'arrivée disparaissait des écrans, si l'on nous expliquait que les ceintures sont inutiles au décollage mais qu'ensuite il faut absolument les porter en vol, et si en plus on nous grondait de poser des questions. Certains ne commenceraient-ils pas à se sentir détournés? Ainsi avons-nous entendu au printemps les ministres comme M. Véran ou M. Fauci déclarer que les masques ne servaient à rien, sauf peut-être à rassurer des angoissés, avant de les imposer, ces mêmes masques, sans aucune base scientifique à l'appui, à tout le monde. Parce que même le Centre pour le Evidence-Based Medicine à Oxford, qui est de référence sur le sujet, reste plus que perplexe sur ce sujet-là. En Suisse, M. Covid, Daniel Koch, a lâché en partant à la retraite que la fermeture des écoles, mesure extrêmement grave, selon lui ne se justifiait pas épidémiologiquement, mais plutôt comme une mesure, disons, pédagogique. Et voici que, surfant sur une deuxième vague, plus déferlante sur les écrans que dans la rue, on ravive le spectre du confinement, alors même que des officiels de l'OMS, désormais, mettent en avant sa nocivité. Et donc, par pudeur, ne nous demandons même pas, entre parenthèses, ce qu'il est advenu des terrifiants pronostics apocalyptiques du docteur Ferguson de l'Imperial College, qui sema plus de panique chez les Anglais avec ses modélisations erronées que les Allemands avec leur fusée V2. En fin de compte, l'épopée du Covid commence à ressembler à un avion en difficulté dont les pilotes ont les mains liées par navigation bloquée sur le mode panique. Les signaux de catastrophe sont enclenchés par un ciel tout juste agité. La cabine vomit et s'affole.
Elle s'affole moins à cause de la tempête que du pilotage. Il serait grand temps de désactiver les algorithmes et de repasser en manuel avec des réactions en phase avec la réalité, comme par exemple on l'a fait en Suède, Suède où on compte la plus faible mortalité en Europe sans avoir bouclé personne, sans avoir traité les gens comme des enfants et sans avoir imposé les masques.